Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner entre 100 et 300 euros par jour juste en utilisant Coinbase. Vous allez voir, c'est super simple. C'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent simplement avec le site internet Coinbase. Avant de commencer les amis, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Donc cliquez simplement sur le lien juste en dessous pour avoir accès au workshop qui est gratuit. On a notamment ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois seulement 90 jours en suivant notre formation. C'est parti. Donc les amis, nous sommes sur mon écran et je suis à l'heure actuelle sur Coinbase. Sur Coinbase, donc Coinbase c'est quoi? Coinbase c'est un site internet qui a été créé il y a quelques années et dont l'objectif est de vous permettre principalement d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Donc c'est une des principales plateformes de crypto-monnaies afin de les acheter, de les vendre et de gagner de l'argent. Donc on est ici sur mon compte Coinbase, donc vous pouvez facilement créer un compte sur Coinbase en donnant vos informations basiques et vous allez pouvoir commencer à investir, c'est-à-dire acheter des actifs. Donc là par exemple, on voit que le Bitcoin à l'heure actuelle est à 19 552 euros et qu'il a baissé de 59%, donc quasiment de 60% par rapport à l'année dernière. Ça, c'est une chose qui est caractéristique. Ça, c'est une caractéristique principale en fait des cryptos en général, que ce soit le Bitcoin ou d'autres cryptos, elles sont très volatiles. C'est-à-dire d'un mois à l'autre, la valeur peut perdre peut-être 20-30% et d'une année à l'autre, plus de 50% comme vous avez pu le voir. Donc là, vous voyez par exemple, si on met toutes, moi j'ai commencé à acheter du Bitcoin, je me souviens en 2017, quand il y avait eu vraiment un crack du Bitcoin, donc j'avais acheté à cette époque-là, et j'avais mis, il me semble, 200 euros quand j'avais commencé dans le Bitcoin en 2017-2018, vraiment quand la valeur avait baissé. Donc, elle a vraiment augmenté petit à petit, elle a atteint même un pic. Si vous le voyez ici, elle a atteint un pic à 59 000 euros, donc quasiment 60 000 euros. Le Bitcoin avait quasiment atteint 60 000 euros ici, comme vous pouvez le voir le 31 octobre. En novembre 2022, cela avait atteint une énorme valeur. Donc, ne vous laissez pas abattre quand le Bitcoin baisse. Car tout simplement le Bitcoin est très volatile et ça va être également les autres actifs, c'est la même chose. On peut regarder ici, ça va être la même chose pour l'Ethereum et je peux par exemple aller sur l'accueil et voir quels sont les autres actifs que je vais pouvoir acheter. Donc je peux acheter du Bitcoin, je peux acheter de l'Ethereum, de l'XRP, je peux acheter du Litecoin et il y en a bien plus, il y en a encore d'autres. Vous voyez, là, ils vous mettent même les actifs les plus rentables. Si j'augmente, ils vous mettent ici les actifs les plus rentables. Ici. Et vous allez même pouvoir acheter ici des NFT. Donc, ils ont créé nft.coinbase.com. Vous allez pouvoir acheter les dernières NFT qui existent. Si on retourne ici. Donc, vous allez créer un compte sur Coinbase, vous allez commencer à acheter des crypto-monnaies. Bien évidemment, en première liste, le Bitcoin. Et si je mets par exemple, si je vais dans Actif, ils me mettent en fait mon solde. Donc, à l'heure actuelle, j'ai un solde de 769 euros. J'ai investi dans le Bitcoin et dans l'Ethereum il y a pas mal de temps. En premier, comme je vous ai dit, dans le Bitcoin et mon portefeuille a augmenté en tout depuis que j'ai commencé de 86%. Donc moi, comme je vous ai dit, j'avais commencé le Bitcoin j'avais mis 200 euros. Et ces 200 euros se sont transformés, comme vous pouvez le voir ici à mon écran, à 769. Donc ça a fait quasiment du x4. Ça fait quasiment du x4. Et à un moment, je me souviens que dans mes actifs, j'en étais à 2500 euros si je ne me trompe pas, vous voyez, ou peut-être 1500 euros. Si je mets là un an, voilà, ouais, c'est exactement ça. Vous voyez là ici, par exemple sur l'écran, mes actifs étaient à 2700 euros. Et encore il y a un an, j'avais pas investi dans l'Ethereum. Donc il y a un an, j'avais que à mon actif
le Bitcoin, j'avais mis 200 euros et ça valait 2700 euros. Donc j'avais fait plus de fois 10 avec le Bitcoin. C'est pour vous montrer à quel point les crypto-monnaies en fait sont extrêmement volatiles et peuvent vous rapporter un retour sur investissement phénoménal. Maintenant, malheureusement, il y a également le côté négatif. Le côté négatif, c'est que, étant donné qu'elles peuvent être très volatiles d'un côté, donc à la hausse, et très volatiles à la baisse également, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le chart, le Bitcoin a énormément baissé ces derniers mois. Donc, il faut vraiment pas être affectif quand vous achetez des crypto-monnaies, puisque c'est un marché extrêmement volatile, et ne pas craquer sous la pression quand le Bitcoin descend, et le vendre par exemple. C'est de la pire erreur que vous puissiez faire. Vendre votre Bitcoin ou vos crypto-monnaies. Gardez-les car ce sont des actifs que l'on garde sur le long terme. Il faut vraiment avoir une mentalité sur le long terme, une mentalité d'investisseur à long terme, telle que par exemple Warren Buffett ou alors Shamat, par exemple. J'ai toujours du mal à dire son prénom, mais il s'appelle Shamat Pali. J'ai vraiment du mal chaque fois à dire son prénom. Son nom de famille, mais en tout cas, c'est un disciple de Warren Buffett et il a un net worth de 1,2 milliard de dollars. Donc, je peux vous dire que vous pouvez écouter cette personne-là. Et lui-même a investi massivement sur le Bitcoin et conseille également de garder le Bitcoin, même quand cela connaît des moments de crise. Donc, quand je parle du Bitcoin, je parle également des crypto-monnaies parce que ça suit en fait la même volatilité. Donc, généralement, quand le Bitcoin baisse, les autres crypto-monnaies vont baisser également, mais il faut vraiment pas craquer et garder. Donc moi, j'ai investi Bitcoin en 2017. Comme j'ai pu vous le montrer à l'écran, ça a fait plus de fois 10. Maintenant, on en est à quasiment fois 4. Donc ça a bien baissé par rapport à son apogée. Mais je vais quand même garder ces Bitcoins-là. Je vais même investir dans d'autres crypto-monnaies dès que j'en ai l'occasion, parce que c'est quelque chose auquel je crois et j'ai vraiment une mentalité d'investisseur à long terme. Donc si vous investissez dans les crypto-monnaies, investissez avec une mentalité d'investisseur à long terme et ne faites surtout pas du day trading. Ça, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement de faire du day trading. Achetez quelque chose, achetez un actif auquel vous croyez, gardez-le sur le long terme et après, petit à petit, vous voyez des retours sur investissement que vous allez avoir. Bien évidemment, les retours sur investissement, ils vont arriver au bout de plusieurs années. Moi, je crois fortement que le Bitcoin va remonter et qu'il va aller bien au-delà des 50 000 euros qu'il a connus il y a encore quelques mois. OK? Voilà, si cela vous intéresse, vous allez même pouvoir commencer à lire des livres sur les investissements. Il faut aller simplement sur Google et taper meilleur livre Warren Buffett. Vous allez sur Google, vous tapez meilleur livre Warren Buffett et vous avez regardé tous les livres de Warren Buffett. Bien évidemment, c'est l'investisseur numéro 1 au monde qui a connu le plus de succès, les meilleurs retours sur investissement. Donc, suivez vraiment ce que peut dire Warren Buffett. Il est extrêmement qualifié en la matière et cela va vous permettre vraiment d'obtenir un peu sa philosophie, sa mentalité concernant les investissements, que ce soit des crypto-monnaies ou des actifs tels que des stocks. Gagner de l'argent avec Coinbase n'est pas très compliqué, il faut juste suivre un peu ce que je vous ai dit au cours de cette vidéo. Et si vous voulez un moyen encore plus rapide de gagner de l'argent facilement et rapidement grâce au business en ligne, bien, cliquez simplement sur le bouton juste en dessous qui va vous donner accès à un workshop 100% gratuit. Donc, cliquez sur le lien en dessous et je vous dis à bientôt. Juste